Hello tout le monde, c'est Kraft. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui pour du Mario. J'avais hyper envie de faire un petit let's play un peu tranquille pour ces vacances d'été. Je me suis dit ça pourrait être sympa. J'avais pas envie de faire quelque chose de prise de tête. Et bah du coup, pourquoi pas tester Bowser Fury. J'ai jamais testé le jeu et il me semble pas qu'il soit très long. Du coup, ça me paraissait être le candidat parfait. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, regardez aux alentours. On a des petits buissons chats, c'est trop mignon. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, comment on saute? Ah bah. Ok. Oula! Ouais? Il est, comment dire, vénère un peu là. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le chaos en fait, Bowser Fury. J'ai bien compté des dents, mais quand même. Ouais. Ah! Ok. Ça c'est quoi? C'est genre les étoiles de fin de niveau? Ah ouais! Astrophélin gagné! Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il prend des dégâts avec le phare? Ok. Oh! C'est hyper joli en vrai. Wow, la map! Incroyable! C'est stylé la map qui spawn comme ça là. Oh! Alors, voyons voir. Ok. Alors, est-ce qu'on peut nager? Ouais, cool. Oh, il n'y a pas de barre d'endurance, ça c'est bien. C'est pas le fils de Bowser, ça? Oh, la peinture. Alors, Bowser Junior a l'air d'avoir un problème. Mario, mon pauvre papounet est totalement contrôlable. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'on a un peu quelque chose à faire? C'est pas notre ennemi normalement, lui? J'ai essayé de l'aider, mais il est devenu trop grand et totalement fou. Tout seul, je ne vais pas pouvoir faire retrouver à papounet son état normal. Oh, notre tête, incroyable. Non, mais il fait pitié! J'aurais jamais, jamais imaginé devoir un jour te demander ton aide. C'est vrai que. Mais je ferais n'importe quoi pour sauver mon papounet. Alors s'il te plaît, Mario, aide-moi. Oh, mais ça fait trop pitié, on peut pas refuser là! Alors. Ok, vous avez décidé de faire équipe avec Bowser Junior. Mais du coup, il va jouer avec nous. Un peu, beaucoup, pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'il va faire, du coup je vais mettre un peu. Et on verra si jamais il fallait mettre autre chose plus tard. Ok, on peut changer, ouais. Ok. Alors, tu sers à quoi? Je peux le contrôler ou faire quelque chose ou. Bah, aucune idée. Bon, on verra plus tard. Peut-être qu'il y aura un tuto, un truc comme ça.
Alors, voyons voir. Alors, faut que j'aille où, moi? Oh, les oiseaux, ils ont des oreilles de chat! C'est incroyable! J'aurais dû mettre mes oreilles de chat sur mon modèle VTuber. Parce que pour ceux qui savent pas, oui, mon avatar a des oreilles de chat. Je les mettrai pas dans l'épisode 1 ni 2, vu que je vais les tourner à la suite, mais dans le 3 sûrement. Oh, incroyable! Wow! Trop bien! J'adore la transformation chat, elle est tellement stylée! Ah. Ok. Alors. Ah ouais, ok, donc Bowser Junior, c'est vraiment genre une aide pour pas que ça soit trop dur. L plus Y turbo. Ok. Ok. J'aime bien la musique, franchement. Alors, c'est vachement stylé cette carapace qui flotte là. Ah ouais, mais ils vont attaquer eux là. Lala, non. Ok. Alors, tout va bien pour l'instant. Faut que j'aille où? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un collectable. Ok. Ah, et on peut stack les objets. Ok, ça c'est pas mal. Oh, il m'a fait trop peur! Je vais reprendre un chat. Tac! Alors. Ok, donc ouais, ça a l'air d'être vraiment des petits niveaux. À moins que ça soit encore dans l'intro. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose à faire là? Ah, on peut monter. Ah, ce phare voudrait apporter son éclairage sur un sujet. Cette matière noire et visqueuse disparaît quand elle est exposée aux rayons lumineux des astres félins. Mais certains astres félins préfèrent ne pas se montrer au grand jour. Ah, super. Pourquoi je sens qu'on va galérer? Si vous avez du mal à en trouver un, allez donc tenter votre chance sur une autre île. Ah, ok. Les îles avec un phare cachent souvent quelque chose. Grimpez sur un point d'observation élevé et ouvrez l'œil pour tenter d'en repérer un à proximité. Ok. Du coup, on va redescendre. Il n'y a pas de dégâts de chute, hein. Oula. Oula. Je suis un peu trop descendu. Ah! Oh, mais j'ai pas vu qu'il y avait des pièces là-haut. Ok. C'est normal ça? Ah! Qu'est-ce qui se passe là? Ah! Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh là, oh là, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'agresse? Mais j'ai fait quoi là pour qu'il fasse ça? C'est genre normal ça ou?
qu'il fait? Ouais. Super. Giga cloche. Ok. Oh là, mais il y a plein de trucs qui tombent là. Il va me suivre pendant longtemps ou... Oula, oula, oula. Ok. Bien. Tout est sous contrôle, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il part? Ok, c'est bien, laisse-moi, laisse-moi. Plusieurs juniors semblent vouloir vous dire autre chose. Ouah, ça c'est une giga cloche. J'ai entendu un dicton sur ces cloches. Il semble que c'était « Quand la bête se dressera, la giga cloche sonnera » ou un truc de ce genre-là. Mais il faut sans doute la débarrasser d'abord de cette matière noire et visqueuse. Quelques astres félins de plus pourraient peut-être en venir à bout. Ok, ah ouais, du coup il faut 5 trucs pour du coup fighter Boozer, je suppose, ou moins lui faire mal. Ouais, ben go, elle est là. Hein. Je sais pas s'il y a un ordre précis pour faire les niveaux. J'ai pas l'impression, mais... Oh, mais c'est trop mignon, ces petits oiseaux. C'est incroyable. Alors... Eh ? C'est quoi, ça ? Ouais. Ah. Ah, c'est pour les pousser. Il faut que je les pousse dans le vide. Ok. Bon, je sais pas du tout si c'est ça qu'il faut faire. Mais vu que les boules de feu, ça a l'air de les pousser. Hello! Qu'est-ce que c'est en fait ces trucs? Pourquoi il contourne lui? Vas-y, fais. Viens là! Oula, oula! Qu'est-ce qu'il fait? Ok, et le dernier? Bien là. Ok. Oh magnifique. C'était ça. Alors, hop. Surtout ne pas sauter au mauvais moment. Ok, on en a déjà deux ou trois, je sais plus. Ok. En vrai, je vais reprendre le chat. Je préfère le chat. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-bas? Je préfère explorer quand même un petit peu. Oh! Ah, il y a un truc là aussi. Juste regarder le phare et je vais prendre le petit astre après. Ok. Ramasser un maximum de pièces. Quand on en a 100... Ok, on obtient des objets. Ok. J'allais voir tout ce qui était là, là. Comment je casse ça? Ah, mais c'est peut-être genre Boozer qui doit y casser. Ok. Il y a plein de chats. Ils sont trop mignons. Waouh. C'est incroyable. Est-ce qu'ils sprintent aussi? Oh, il sprint! Mais c'est fou! Bon, alors. Concentrons-nous. Hop. Alors, non. Le chat. Ah bah. Je sais pas si, genre, pour finir le niveau, il faut forcément les 5 en bas, ou si dès que t'as le gros astre, c'est compté comme fini.
Qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas faire une charge au sol, genre? Non. Ok. Oh, courir sur l'eau! C'est incroyable! Ah, y en a une là-bas. Alors! Mais je m'en remets pas, ces oiseaux avec des oreilles de chat. Incroyable. Ok. Oula. Ah. Oh, mais incroyable. Mais il est giga pratique, Bowser Junior, en fait. Ok, je vais peut-être regarder s'il m'y donne, c'est que ça doit avoir un intérêt. Ouais. Il y avait un truc caché. Ah! Hop. Ok. Ok. On va ramasser les pièces quand même. Ouais, ça va assez lentement les pièces hein, quand même. J'en ai pas beaucoup. Ok. Est-ce que je peux monter là-haut? Oh. Comment est-ce que je fais pour le prendre sans tomber? Ah, est-ce que peut-être avec le... Ah, trop bien. C'est quoi ça? R. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a donné un boomerang. Ok. Par contre, il y a Bowser qui pète un cap de nouveau. Là, ça me plaît moyen. Non, non, non. J'ai mis ce clic. Je vais prendre le chat. Ok, donc visiblement, on peut avoir aussi champignon et tanuki en objet. Ah! Ah! Il est juste là. Attendez, je vais peut-être me cacher. Ouais, ouais, je vais me cacher, je vais me cacher. Ouh là là. Ouais. Il y a des pièces là. Oh, une étoile. Oh, c'est redevenu normal. Ok. Il y a un astre là. Non. Sur quoi j'ai mis ce clic? Ok. Ok. Ah. J'ai un peu loupé le saut, mais on va rien dire. Hein. On n'a rien vu.
Ok. C'est quoi ce cube là-haut? Oh! On a failli pas le voir. Hop. Il m'en manque qu'un seul. Il est pas encore derrière. Mais. Attendez. Vous êtes en train de me dire que tout à l'heure, je suis passé genre là et là. Tranquille. Et que j'ai pas vu ces deux astres là juste devant? Ok, bon, ça on avait compris. Comment est-ce que je peux atteindre ça? Parce que là, si je saute, ça va pas aller. Ça serait avec ça là? Alors ça là. Ah! Non! Mais à chaque fois je misclic, c'est incroyable. On va juste prendre celui qui était sur le côté. Ah, ok. On a 5. Un message émanant de la gigacloche se met à résonner. Quand la bête se réveillera, je m'éveillerai aussi. Alors, je vais juste prendre celui qui est là. C'est pas les mêmes mobs. Mais pourquoi c'est redevenu noir là? On y allait tout à l'heure. Ouais. Oh, y a un truc là. Non mais attendez, c'est pas possible, là je suis pas aveugle à ce point non plus. Ça y était pas tout à l'heure. C'est quoi ça? Ok, bon, il se réveille. Alors du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Waouh! Oh, ça fait miaou. Ok. Ah, mais c'est genre une cloche dans ce sens-là. Je croyais que c'était, je sais pas, juste une cloche sans pouvoir. Ah oui. Que vois-je? On dirait un chat Super Saiyan. Oula oula oula. Alors attends, c'est les mêmes commandes. Qu'est-ce que... Attends. Comment j'esquive? Ah ok. Pareil. Ah. Peut-être que... Ok. La limite de la map. Je vais rester caché, hein. Ok. Vas-y, viens. Ah, là, il y a la cloche qui revient, ok. Allez! Ok. C'est qu'un coup. Ok.
on va rester caché derrière. Je sais pas si c'est suffisant ça, mais je pense. Ouais. C'est qu'il a pas peur Bowser Junior là. Allez, vas-y, viens. Ok. On l'a eu. Oh, et du coup on a purifié la zone ou pas du tout? Il est trop beau l'arc-en-ciel chat. Oh, un biome glace. Oh, Nessie, stylé. Ok, Bowser Junior semble vouloir vous dire autre chose. Il a replongé dans le lac. Mais crois-moi, Mario, il en faudra plus que ça pour battre mon papounet. On doit absolument lui faire retrouver ses esprits. Et pour ça, il faut retrouver d'autres astres félins. Une autre partie de cette matière visqueuse a disparu. Alors il doit y avoir de nouvelles îles à explorer. Allez Mario, jette vite un œil sur la carte et mettons-nous en route. Ah mais attends, c'est giga grand! Ah, ouais. Ça va en vrai. Ok, ouais, et là du coup c'est Bowser au milieu. Ouais. Là y a rien. Ouais, ça, ouais. Bon. Ok. Oh, j'ai failli oublier de mentionner un truc important. Ouais, la carte, ok. Alors, je crois qu'on n'avait pas fini cette zone. Qu'est-ce que... Pourquoi il pleure? Oh, il a perdu son bébé? Mais il est où son bébé? Comment je fais moi? Ah, il y avait pas des chats genre sur l'île là-bas? Mais rends-lui sa balle! Vous avez vu ça? C'est lui, non? Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Allez, viens. Magnifique! Oh! Carrément! Je croyais que c'était genre une quête secondaire pour avoir 3 pièces. Ok, alors. Ouais, il y a des trucs qui. Mais qui spawnent! Genre. Du futur. C'est quoi ça? Mais... Ah mais il y a des astres félins qui apparaissent au fur et à mesure? Mais attends, ça veut dire qu'à chaque fois, il nous faut 5 astres félins? Ah, c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est de nouveau enfoncé. Ah. Ok. Ah, mais il y en a un nouveau, là. Je vais aller voir, en vrai. À
Je sais pas s'il était nouveau, mais en tout cas, je l'avais pas vu. Ah, j'ai les 5. Ah, et du coup, alors les 5, c'est pour un des 5 gros astrofinaux. Ok. Ok, parfait. Comment est-ce que... Ouais, parce qu'il y a peut-être des trucs là, hein. Mais bon... Tu sais, derrière les blocs, là. Cassable par Boozer, je suppose. Sinon, si je fais le tour... Ah! C'est quoi? C'était R, on avait dit. Ah oh. Ah mais il faut pointer avec le curseur. Ah ok, j'avais pas compris. D'accord. Je croyais qu'il fallait juste appuyer sur le bouton. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une cloche? Et ça sert à quoi? Est-ce que je suis plus fort qu'avant? À part avoir beaucoup de style, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert pas à faire ça là peut-être? Je pensais que c'était Boozer, mais peut-être pas en fait. Non, pas du tout. Bon, je sais pas. Ouais, ben, n'hésitez pas à me dire si jamais vous savez à quoi ça sert la clochette là. Je vais tourner la deuxième vidéo dans la foulée. Donc c'est normal si j'ai pas appliqué vos conseils direct dans la suite. Par contre, j'aurais tout lu pour la troisième, hein, vous en faites pas. Est-ce qu'en vrai on n'irait pas voir là, là, sur des si là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ZL c'est descendre, B c'est sauter, ouais. Ah d'accord, et je peux le contrôler comme je veux. Ça c'est cool. Ok. Oula oula. Ok, et là du coup on arrive dans le biome glace et ZL. Ok, pour descendre. Ok. Bah franchement c'est hyper stylé et je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode 1. Franchement c'était pas mal du tout. Je sais pas encore au niveau du rythme de vidéo ce que je vais faire, si je vous fais deux vidéos par semaine ou juste une. On verra, ça sera un peu au feeling. De toute façon je pense que je vous dirai dans l'espace communauté, donc bon, n'hésitez pas à regarder. Et sur ce, ben, soit mardi soit samedi pour l'épisode 2. Et du coup je vous souhaite une bonne journée. Ciao !